Enfin, bonsoir, bonjour. La nuit a été courte quand même. D'abord, je tiens à me remercier tous mes bénévoles, parce qu'ils étaient plus de 80, entre 80 et 100 sur le terrain. La mise en place est spéciale. On a eu les félicitations de tous les officiels du rallye. La mise en place était parfaite. Le directeur de course s'est passé dans les spéciales qu'il a vu dès le vendredi que la mise en place était super. Remercier les mairies de Trouville, Deauville et les services techniques de la mairie de Deauville pour l'excellent travail qui est fait au bord de mer. Il faut savoir que c'est la ville de Deauville qui met tout en place pour la sécurité, les tribunes, pour que ça se passe bien. Remercier M. Olivier Louis, il n'aime pas trop ça, mais France Gallo pour le parc d'assistance et la mise à disposition de l'hippodrome. Je rappelle que la mise à disposition de l'hippodrome est gracieuse. Et on nous demande de respecter les chevaux. On en parlera, on a eu un petit problème apparemment avec le passage des voitures boulevard Auger, j'ai appelé ça ce matin. Donc on changera le parcours l'année prochaine, ça c'est pas un souci. Alors tous mes partenaires, que ce soit Buffalo. Bah écoutez, ça fait trois fois combien deux fois qu'on finit deuxième. On n'était pas parti pour gagner cette année, parce qu'on a vu la concurrence, on s'est dit que ça va être chaud. Bon, pour notre histoire, nous, on a mis déjà une petite fessée, donc 18 secondes. J'ai mal vécu dans la nuit. Donc le lendemain matin, j'ai revu l'appareil. J'ai mis 19. Et puis, on s'est bagarré, donc c'était vachement sympa, bon, jusqu'au moment où il est parti à faute, ce qui est dommage. Ça nous a un peu fait mal au cœur de le voir dans les décors, donc on préférerait qu'il soit là et donc le monde peut-être devant nous. Mais bon, moi, c'est pas grave. Donc voilà, c'est la course, ça nous est déjà arrivé plusieurs fois, donc on sait ce que c'est. Voilà, tranquille, je ne l'en veux absolument pas. Mais sinon, je suis fier quand même en tant que Normand, c'est que j'ai joué les garants qui avaient des Anglais. Une coupe offerte par Cédric, une coupe offerte par Valentin Sur le rallye. Super rallye, comme d'habitude, super organisation, spécial magnifique, un timing qui était respecté, donc pour nous c'était parfait. Thomas. La même chose, après pour remercier voilà, tout le monde, les bénévoles, tous ceux qui s'investissent, parce que c'est vrai que je disais tout à l'heure, j'ai des pointages, tout le monde était vraiment sympa, tout le monde était très pro, et voilà. Voilà, très beau rallye, merci aux bénévoles. Un grand merci aussi à toute mon équipe, à Julien. Et écoutez, vivement l'année prochaine, j'espère que je ferai 4 participations, une deuxième place, trois deuxième places. Donc j'aimerais bien essayer de remporter le rallye, d'essayer de faire durer le suspense. Eric ne gagne pas, ne bat pas le record trop vite. Donc j'espère que l'année prochaine, soit il sera avec nous, soit on ira avec lui. Bien sûr, avant le départ, je n'étais pas très sûr de moi, j'ai pas roulé depuis 8 mois, depuis une grosse cabriole, on s'est fait vraiment mal. Bon, malheureusement, c'est le sport auto qui fait ça, on connaît les risques. Ça paraît ne pas pouvoir nous arriver, malheureusement, quand ça nous arrive, bon, ça, j'ai vraiment douté, j'ai eu même du mal à me dire que j'allais repiloter. Et puis bon, la passion reprend le dessus, Cédric m'a fait confiance. On est reparti, la première course était à Côte-Fleury, donc forcément avec un peu de pression, avec en plus le fameux record à essayer d'aller toucher. Bon, cette année j'étais un peu tendu avant le départ, avec la tension, et c'est vrai qu'il faut passer à 190-200 entre des arbres, alors qu'il y a 8 mois, c'est pas passé, je me suis envolé sur 80 mètres et on rampait par terre, donc c'était pas évident de se forcer, on a réussi à le faire. C'est la passion avant tout qui reprend le dessus. Et bon, Pierre en plus nous a poussé à progresser tout au long du rallye. Donc ça, c'est vrai que ça nous a bien aidé. Et on s'est senti vraiment très bien sur la deuxième moitié du rallye. Donc voilà, les spéciales étaient vraiment magnifiques, on l'a dit plusieurs fois. C'était vraiment chouette de retourner sur Villers, la fin de Villers qui était nouvelle cette année, qui était un peu un tracé historique dans les années 80-90. C'était vraiment chouette. Saint-Étienne-Attillé, le chemin du Cléocote, c'était génial. Enfin, je me suis explosé, enfin, lâché complètement dans ce. Explosé, c'est pas le bon terme, mais justement, je me suis vraiment éclaté. Vraiment, j'ai donné tout ce que je pouvais dans ce chemin, j'ai vraiment apprécié. Puis Quetteville, qui était très sélective, avec beaucoup de sorties de route, un peu sale. Et c'est vrai qu'il fallait être assez vigilant pour cette spéciale.